Quand on entend de la musique, on a envie de bouger sur le rythme. La plupart des gens le font de façon instinctive, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler du rythme et on va apprendre à compter les temps afin de pouvoir danser sans être hors beat. Mon nom c'est Marie-Pierre, des animations Marie-Danse, instructeur de cours en groupe et professeur de danse. Les danseurs, quand ils apprennent une chorégraphie, ils comptent les temps pour être sur les bons comptes de la musique. Dans la plupart des chansons commerciales qu'on entend à la radio, c'est des comptes de 8. Il y a d'autres styles de chansons avec d'autres styles de comptes, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur les comptes de 8. Alors, c'est pas trop compliqué, on compte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on recommence comme ça du début, tout le long de la chanson. Ouais. Comment qu'on sait? Quand est-ce qu'on va commencer? Ben, quand on est dans un cours de danse, c'est le professeur de danse qui va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 premiers temps avant de commencer à danser. Ou, ça se peut qu'il fasse les 4 derniers temps, 5, 6, 7, 8, comme ça. Maintenant, on va s'entraîner avec la musique à compter. Je pars la chanson. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors là, on a compté les temps, mais il y a aussi des contretemps. Avec les contretemps, dans le fond, on va danser un petit peu plus rapidement. Fait que là, quand on comptait jusqu'à 8, on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on ajoute les contretemps, on va ajouter des « et ». Donc, ça va faire 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Avec la musique, on va essayer de claquer des doigts avec les temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va ajouter les contretemps. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ouais! Wouhou! Et là, tu peux faire les mouvements que tu veux en suivant le rythme. Dans ma prochaine vidéo, on va apprendre une mini chorégraphie de hip-hop.